Ceci vous est présenté par la Tour de Prière Semeur. Tous les mardis et jeudis de 22h à 23h. Rejoignez-nous au 09 72 61 93 80, code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Psaumes, Psaume 68 au verset 32, la Bible déclare « Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. » Bien-aimés, nous voulons célébrer notre Dieu pour la grâce qu'il nous a encore accordée d'être dans sa présence ce soir. Beaucoup de personnes se sont réveillées ce matin, mais n'ont pas vu cette heure où nous sommes encore maintenant. Beaucoup de personnes se sont réveillées, ont fait des activités ce matin, dans l'après-midi, mais à cette heure où nous parlons, ne sont plus de ce monde. Nous allons bénir le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé, pour la grâce qu'il nous a faite d'être encore en vie, et de pouvoir encore le louer ce soir. Bénissons notre Dieu ensemble, alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous bénissons ton nom ce soir. Nous magnifions ton nom car tu es bon, car tu es glorieux. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui nous gardes et qui nous protège. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui renouvelles encore, Seigneur, ta bonté dans nos vies. Oui, la Bible déclare, non, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, je bénis ton nom car je reconnais, Seigneur, que ce sont tes compassions qui nous gardent, qui nous ont encore gardés, qui nous ont encore protégés. Béni soit ton nom, magnifié soit ton nom, toi le créateur de toutes choses, toi qui tiens nos vies, toi qui tiens les piliers de la terre, toi qui tiens nos âmes. Oui, nous reconnaissons que c'est toi qui nous a encore gardés par ton amour, par ta grâce. Béni soit ton nom Yahweh, magnifié soit ton nom Adonai, qui est comme toi. Sois béni Seigneur, sois magnifié Seigneur, sois exalté Seigneur. Béni soit ton nom. Merci pour le souffle de vie que tu nous as encore accordé, oh Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous a encore protégés jusqu'à cette heure. Car beaucoup étaient vivants ce matin, mais ne sont plus de ce monde ce soir. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Car nous reconnaissons, Seigneur, que ce que nous sommes, ce que nous avons, c'est toi, Père, qui nous accorde ta grâce. Sois béni, sois loué, sois magnifié, Seigneur. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia, magnifié soit ton nom, au nom de Jésus, alléluia, merci Seigneur, alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, nous allons prier notre Dieu, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier notre Dieu, nous allons nous humilier devant la sainte présence de Dieu, nous allons nous humilier encore devant sa puissance, alléluia. Peut-être que nous avons péché, peut-être que nous avons fait des choses qui n'ont pas glorifié le Saint-Esprit. Peut-être que nous avions fait en cette journée des choses, dit des paroles qui n'ont pas glorifié le Saint-Esprit. Nous allons nous humilier et demander pardon. Alléluia. La Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Bien-aimés, nous allons demander pardon au Seigneur pour tous les péchés que nous avons commis, pour tout ce que nous avons dit, pour tous les actes que nous avons faits qui n'ont pas glorifié son nom. Prions le Seigneur, alléluia, et demandons pardon à notre Dieu. Tendre Père, je viens encore m'humilier devant toi pour te demander pardon, Seigneur. J'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre le Saint-Esprit. Je te demande pardon, Seigneur. Par rapport à mes actes, j'ai péché, mes actions, Seigneur, mes paroles ne t'ont pas glorifié. Alors je viens m'humilier pour te demander pardon. Pardonne, Seigneur, mon Dieu, mon péché. Oh, purifie-moi ce soir. Seigneur, je te prie de me pardonner. Accorde-moi ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. J'ai tenu un langage qui ne t'a pas honoré. J'ai eu des pensées qui ne t'ont pas glorifié. Je te demande pardon. Pardonne-moi, tendre Père. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia.
Pardonne-moi, je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner ce soir. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Pardonne-moi. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Alléluia. Pardonne mon péché. J'ai péché contre toi. Seigneur, pardonne-moi. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Tu vas dire que le sang de Jésus te lave encore ce soir. Ton esprit, ton âme et ton corps. Que le sang de Jésus purifie ton esprit. Que le sang de Jésus purifie ton âme. Que le sang de Jésus purifie ton corps. Alléluia. Que tu sois purifié, lavé. Et que toute souillure soit enlevée dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, prions le Seigneur et invoquons le sang de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je viens, Seigneur, invoquer ton sang. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse, Seigneur, mon Dieu, laver mon âme. Que ton sang, Seigneur, puisse laver mon esprit. Que ton sang, Seigneur, puisse laver mon corps. Que ton sang, Seigneur, puisse laver mes pensées. Lave tout ce que je suis. Que ton sang, Seigneur, puisse me nettoyer, me purifier. Oui, Seigneur, je te prie. Car, Seigneur, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Seigneur, que ton sang lave la maison d'une personne ce soir. Que ton sang purifie la maison d'une personne ce soir. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Dans le nom de Jésus. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Lave-moi. Lave mon corps. Lave mon esprit. Lave mon âme. Nettoie par ton sang. Purifie, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Purifie-nous, tendre Père. Enlève ce qui n'est pas de toi. Que ton sang lave. Que ton sang lave. Que ton sang purifie. Que ton sang nettoie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lave, Seigneur. Lave, Seigneur. Lave, Seigneur. Lave, Seigneur. Purifie, Seigneur. Purifie mes pensées, que je puisse commencer à avoir des pensées de foi, que je puisse avoir maintenant des pensées de paix, que je puisse avoir des pensées, Seigneur, de bénédiction. Purifie mes pensées, purifie mes paroles, que mes paroles puissent être des paroles de bénédiction, que mes paroles puissent être des paroles de force, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton sang lave, lave ma maison, lave ma famille, lave ce que je suis, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Et nous allons prendre Deutéronome, chapitre 1, au verset 6. Je vais lire au nom de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage. Dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de Frate. 8. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Alléluia. Un très beau passage, mais je vais garder une phrase qui attire mon attention ici. Dieu dit, vous avez assez demeuré dans cette
montagne. Les enfants d'Israël avaient demeuré sur une certaine montagne. Mais Dieu leur a dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Dieu voulait que les enfants d'Israël puissent se déplacer. Amen. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand tu as une vie qui ne progresse pas, quand tu as une vie qui est frustrante, c'est vraiment très très difficile. Hein. Tu vas à l'église, tu pries, tu fais des activités à l'église, tu es une vieille chrétienne ou un vieux chrétien depuis des années, mais tu constates que ta vie n'évolue pas, c'est qu'il y a un problème. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu de progrès. Notre Dieu est un Dieu de croissance. Alléluia. Notre Dieu avance, notre Dieu progresse, notre Dieu est un Dieu de créativité, un Dieu créateur, un Dieu qui avance. Mais quand toi tu es son enfant, tu es enfant de Dieu, et que tu constates que ta vie n'avance pas, je vous assure que c'est frustrant. Tu vas te poser la question, est-ce que vraiment la prière que je fais, Dieu m'écoute? Est-ce que je suis vraiment un vrai enfant de Dieu? Parce que je vois les autres témoigner, je vois les autres dire que Dieu leur a fait ceci, mais moi je ne vois pas. Et c'est vraiment frustrant quelque part. Mais Dieu te dit ce soir, tu as assez demeuré dans cette montagne, c'est-à-dire tu as assez demeuré dans cette situation, il faut maintenant te déplacer, il faut voir maintenant autre chose. Amen. Des fois dans la vie, nous ne progressons pas. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre confort. Nous ne voulons pas bouger. Nous ne voulons pas nous déplacer. Nous ne voulons pas avancer. Nous ne voulons pas oser. Et c'est pour ça que des fois tu dis, ah mais je prie, ça fait longtemps que je prie, mais Dieu ne me visite pas. Je ne vois pas Dieu faire. Mais Dieu te dit, tu as assez demeuré dans cette montagne. Maintenant, je relis encore. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne, tournez-vous et partez. Amen. Tournez-vous et partez. À un moment donné, il faut faire un pas pour aller à un autre niveau de vie. Il faut faire un pas pour changer la situation. Il faut faire un pas pour pouvoir changer les choses autour de toi. Bien-aimé, la femme qui avait la perte de sang avait fait un pas. Son pas était quoi? Elle était partie toucher le vêtement de Jésus. Elle était partie toucher. Elle n'était pas restée dans son coin. Si elle était restée dans son coin, le Seigneur allait lui passer sur le nez comme ça. Mais elle a dit non. Moi, il faut que je touche son vêtement. Moi, je dois faire un pas. Je dois faire quelque chose. Elle a touché le vêtement du Seigneur. La Bible dit que sa perte de sang s'était arrêtée. Bartimée aussi. Bartimée, malgré qu'il ne voyait pas, il était aveugle. Il ne s'est pas contenté de rester là et de laisser passer Jésus. Il a posé la question, c'est qui? Oh, c'est Jésus qui est en train de passer. Il a décidé de crier. Amen, amen. Il a décidé de crier. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce soir, si tu veux changer les choses dans ta vie, il faut que toi-même aussi que tu bouges. Il faut que toi-même tu puisses faire le pas. À un moment donné, il faut que toi-même tu puisses arracher la bénédiction. Tu ne peux pas toujours rester dans cette situation. Tu ne peux pas toujours subir les mêmes choses. À un moment donné, quand tu es frustré et que tu vois que les choses ne changent pas, commence maintenant à chercher à faire un autre pas. Commence à chercher à changer les choses. Quand tu vois que tu fais un travail, je fais un travail, ça ne m'apporte rien, tu es en train de subir, mais commence à penser à aller à un autre niveau, changer d'orientation, à faire quelque chose. Peut-être que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te dire, maintenant ça suffit, tu as assez demeuré dans ce travail, maintenant change, pense à passer à autre chose, parce que je vais te bénir l'autre côté. Amen. Parce que je vais te bénir de l'autre côté. Des fois, toi, tu es là, tu fais le tour de subir le travail, mais ce travail, je ne comprends pas. Je fais que subir, mais le Saint-Esprit est en train de te dire, maintenant, tu as assez demeuré là, tu dois maintenant te déplacer, tu dois changer. Alléluia. Quand tu pries, tu vois que tu es en train de prier, mais tu as l'impression que ta prière n'arrive pas, ça ne marche pas. Le Saint-Esprit veut te dire, maintenant, change ta manière de prier, augmente le niveau. Augmente le niveau. Tu as assez demeuré sur cette montagne. Tu as assez demeuré dans cette manière de prier. Tu as assez demeuré dans les 15 minutes que tu fais de prière chaque jour. Peut-être que maintenant tu dois faire 30 minutes. Commence à changer de niveau. Amen. Commence à changer de niveau. En réalité, en tant que chrétien, tu dois avoir des yeux. En fait, tu dois avoir des yeux qui voient loin. Tu dois percevoir. Si tu veux aller quelque part, si tu veux réussir dans la vie chrétienne, tu dois apprendre à voir. Tu ne peux pas posséder quelque chose que tu ne perçois pas.
La foi, c'est une manière de percevoir quelque chose que tu ne vois, que tu n'as pas matériellement comme ça, que tu n'as pas, mais que tu perçois déjà dans ton esprit. Alléluia. Tu ne peux pas posséder ce que tu ne perçois pas. Tu dois commencer à voir des rêves. Il faut que tu commences à percevoir qui est-ce que tu veux devenir demain. Qu'est-ce que tu veux faire demain pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu dois commencer à le voir dans ta tête, dans ton esprit. Tu dois commencer à voir. La femme qui avait la perte de sang, la Bible dit qu'elle avait résolu en elle pour dire « Si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement. » En fait, elle avait déjà perçu la chose dans son esprit. Quand elle a perçu, et ensuite, elle est partie toucher, elle a manifesté. C'est ce qu'on appelle la foi. Amen. Tu ne peux pas, même tes mains ne peuvent pas recevoir quelque chose que toi, tes yeux ne voient pas en esprit. Tu dois d'abord le voir. Quand tu le vois, tu commences à le percevoir, tes mains vont le recevoir en réalité. Toi qui attends un mariage, tu as besoin de rentrer dans le mariage. Commence déjà à percevoir que tu te maries. Commence déjà à percevoir que si tu fais un mariage, ce sera comme ça. Moi, en tout cas, quand je vais me marier, ça sera comme ça. Tu vas voir que ça va se matérialiser. Parce que tu perçois ça déjà dans la foi. Au lieu d'être dans une situation où tu dis, tu es toujours en train de te plaindre. Oh, mais moi, jusqu'à quand? Tu as assez demeuré dans la montagne du célibat. Commence à te déplacer. Dans ton esprit, tu commences déjà à penser, Seigneur, je sais que mon homme est quelque part et je sais que tu es en train de le toucher pour le ramener vers moi. Je sais, même s'il est au nord, même s'il est au sud, même s'il est à l'est, Seigneur, tu le ramènes vers moi ou tu me ramènes vers lui. C'est ça la foi. Tu commences à voir, à percevoir. Je répète encore, tu ne peux pas posséder ce que tu ne perçois pas dans ton esprit. Tu ne peux pas toucher entre tes mains ce que tu ne vois pas de tes yeux. Faut que tu commences à percevoir. Alléluia. Faut que tu commences à percevoir. Tu dois passer à un autre niveau. Tu ne dois pas seulement demeurer dans la montagne de la tristesse. Tu ne dois pas seulement demeurer dans la montagne des échecs. À un moment donné, tu dois décider de te déplacer. Tu as assez demeuré sur cette montagne. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Alléluia. Il est temps d'avancer. Il est temps de se déplacer. Vous voyez, il est temps d'avancer. À un moment donné, même quand tu es dans une zone de confort, que tout va bien pour toi, à un moment donné, Dieu va te demander de te déplacer. Toujours. Dieu nous fait toujours quitter une zone de confort où tu vois que tout va bien, c'est là. Mais des fois, le Saint-Esprit te dit, maintenant, il est temps que tu puisses maintenant quitter cette zone et passer à autre chose. Il faut que tu passes maintenant à un autre niveau. Il est temps que tu puisses avancer. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas vaincre tant que tu ne te lèves pas. Ça demande que tu te lèves. Il faut que tu fasses le pas. Il faut que tu fasses le pas de passer à un autre niveau. De changer ta vie, de te dire que maintenant ma vie spirituelle doit monter de niveau. Ma vie de prière doit monter de niveau. Donc ma vie de consécration doit monter de niveau. Tu commences maintenant à travailler pour ça. Si tu priais 15 minutes, tu commences à dire maintenant je veux prier 30 minutes. Même si c'est difficile, je vais prier 30 minutes. Je vais passer à un autre niveau. Amen. Nous allons prier par rapport à ça, que vraiment le Seigneur puisse nous aider à passer à un autre niveau, puisse nous aider à nous déplacer, à quitter la montagne du confort, à quitter la montagne des pleurs, à quitter la montagne des maladies, à quitter, que nous puissions vraiment nous déplacer. Merci Seigneur. Nous allons nous concentrer, bien-aimés, concentrez-vous vraiment, et nous allons prier par rapport à ça. Merci Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Amen, amen. Nous allons prier maintenant. Nous allons d'abord remercier le Père. Tu vas dire merci au Seigneur de t'avoir gardé et conduit jusqu'à maintenant. Jusqu'à là où tu es, c'est le Seigneur qui a permis que tu puisses être là. Tu vas déjà le remercier pour ta condition présente. Même si tu ne vois rien, tu le remercies. Tu dis, Seigneur, je te remercie de m'avoir conduit là où je suis aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir gardé jusqu'à maintenant. Je te remercie de m'avoir fait du bien jusqu'à maintenant. Prions le Seigneur, alléluia, pour ce qu'il a fait pour nous jusqu'à maintenant. Alléluia. Oui, tendre Père, je te bénis. Je glorifie ton nom, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait pour mes enfants jusqu'à maintenant. Je reconnais que c'est ta main qui m'a conduit. Je reconnais que c'est ta main qui m'a gardé jusqu'à maintenant. Je reconnais que c'est ta main qui m'a protégé, Seigneur. Je bénis ton nom. Je magnifie ton nom. Je magnifie ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Merci, Seigneur, car c'est toi qui nous as gardés. C'est toi qui nous as conduits là où nous sommes présentement.
Nous te bénissons, nous te magnifions. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, car je reconnais que c'est ta main qui m'a gardé jusqu'à maintenant. Je reconnais que c'est ta main qui m'a conduit là où je suis jusqu'à maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, amen, alléluia. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas confesser, tu vas dire, Père, merci car je sais que tu n'as pas encore terminé avec moi. Le Père n'a pas encore terminé avec toi, bien-aimé. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. La Bible dit, voici les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un avenir pour une personne ce soir. Dieu a une espérance pour une famille ce soir. Dieu a une espérance pour des enfants ce soir. Bien-aimé, tu vas dire, merci Père parce que tu n'as pas encore terminé avec moi. Le diable doit t'entendre dire que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Alléluia. Quelles que soient les situations que tu peux vivre, Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Et tu vas lui dire, merci car tu me conduis encore. Tu vas encore me conduire vers des grandes dimensions. Tu vas encore me conduire vers l'autre montagne, vers la prochaine percée. Tu vas encore me conduire. Prions le Seigneur. Alléluia. Ô tendre Père, nous te remercions. Merci tendre Père, car tu n'as pas encore fini avec nous. Tu n'as pas encore terminé avec nous. Seigneur, merci. Je confesse ce soir, Seigneur, que tu n'as pas encore fini avec moi. Parce que tu dis, Seigneur, que voici les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père, je reconnais, Seigneur, que tu as un avenir pour quelqu'un ce soir. Tu as une espérance pour quelqu'un ce soir. Tu as un avenir pour moi ce soir. Tu as une espérance pour moi ce soir. Oh Père, merci, car tu n'as pas fini avec moi. Tu n'as pas terminé avec moi. Tu vas me conduire encore au prochain niveau. Tu vas me conduire encore sur l'autre montagne. Oui, Seigneur, j'ai assez demeuré sur cette montagne. Tu vas me conduire à mon prochain niveau. Tu vas me conduire, Seigneur, à une nouvelle percée. Tu vas me conduire à une nouvelle dimension, parce que c'est toi qui vas le faire. Oh, béni soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Alléluia. À toi la gloire et la louange. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia. Bien-aimés, alléluia, amen, amen. La Bible déclare, Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Bien-aimés, tu vas dire, oh Père, oh Seigneur, toi qui es alpha et oméga, ouvre une nouvelle page pour ma vie, alléluia. Que l'alpha et l'oméga ouvrent une nouvelle page pour ta vie. Bien-aimé, tu as trop souffert. Tu souffres trop. Tu subis trop. Tu vis trop des échecs. Demande au Seigneur ce soir d'ouvrir une nouvelle page de ta vie. Une nouvelle histoire sur ta vie. Une nouvelle page pour ta destinée au nom de Jésus. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia, au tendre Père, nous prions ce soir. Nous prions, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ouvre une nouvelle page pour ma destinée. Ouvre une nouvelle page pour une personne ce soir. Ouvre une nouvelle page pour quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, ouvre une nouvelle page, une nouvelle histoire. Écris, Seigneur mon Dieu, une nouvelle histoire. Écris un nouveau chapitre dans la vie d'une personne ce soir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Change les choses, Seigneur. On a assez demeuré sur cette montagne. Nous voulons nous déplacer. Nous voulons nous déplacer. Nous voulons passer à une nouvelle dimension. Nous voulons passer à une nouvelle dimension. Seigneur, écris une nouvelle histoire. Ouvre une nouvelle page pour ma destinée. Il ouvre une nouvelle page pour ma famille. Ouvre une nouvelle page pour mon mariage. Ouvre une nouvelle page, Seigneur mon Dieu, pour ma santé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Une nouvelle page. Une nouvelle histoire. Seigneur, écris une nouvelle saison. Une nouvelle saison pour ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ouvre une nouvelle page pour ma destinée, pour ma vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tantôt, j'ai dit que tu ne peux pas toucher ce que tu ne perçois pas. Alléluia. J'ai dit que tes mains ne peuvent pas recevoir quelque chose que tes yeux ne voient pas. Bien-aimé, tu vas prier ce soir. Tu vas dire que la lumière de Dieu brille sur toi et que tes yeux puissent voir ton prochain niveau. Que tes yeux puissent percevoir quelque chose. Que tes yeux puissent percevoir quelque chose que tu vas poursuivre. Que tes yeux puissent percevoir un rêve, bien-aimé, pour que tu puisses toucher à ce que
Dieu veut te donner. Tu dois le percevoir. Demande à la lumière de Dieu de briller sur toi. Parce que la Bible dit, David dit, alléluia, que... qu'il est la lampe sur son chemin et la lumière sur son sentier, alléluia. Il est la lampe à ses pieds, la lampe à ses pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Tu vas dire que la lumière de Dieu puisse briller sur toi et que tes yeux puissent voir là où Dieu veut t'emmener, dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous prions ce soir, Seigneur, que ta lumière, la lumière de Dieu, brille sur moi, brille sur une personne ce soir. Père, que ta lumière brille sur la vie d'une personne ce soir, et que les yeux, et que nos yeux puissent voir notre prochain niveau, au nom de Jésus, voir notre prochain niveau, au nom de Jésus. Saint-Esprit, inspire un rêve dans la vie d'une personne, que nos yeux puissent voir là où nous devons aller, que nos yeux puissent percevoir là où ce que nous devons faire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Lumière de Dieu, brille sur moi, brille sur quelqu'un, brille sur nous, et que nos yeux puissent voir notre prochain niveau, au nom de Jésus, 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 alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, au nom puissant de Jésus, alléluia, alléluia, au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Bien-aimé, alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas demander au Père que le feu de l'Esprit, amen, amen, que le feu de l'Esprit qui provoque le changement descende sur toi. Alléluia. Que le feu de l'Esprit puisse descendre sur toi au nom de Jésus et que les choses puissent changer dans ta vie. Tu vas dire, Père, que ton feu qui provoque le changement descende sur moi maintenant au nom de Jésus. Car là où le feu de l'Esprit descend, il y a toujours un changement. Tu ne peux pas rester la même chose, la même personne. Ta situation ne peut pas rester pareille, ce n'est pas possible. Quand le feu de l'Esprit descend, il y a un changement. Demande le feu de l'Esprit qui provoque le changement au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Alléluia. Ô Père, nous prions ce soir que ton feu qui provoque le changement descende maintenant sur moi, descende sur nos maisons, descende sur nos vies, descende sur nos couples. Seigneur, au nom de Jésus, que le feu, que ton feu qui provoque le changement, descende sur nous maintenant et que les choses puissent changer, et que les choses puissent changer, que nous puissions avancer, que nous puissions évoluer, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, passer à une autre étape, que nous puissions avancer dans notre destinée, dans le nom de Jésus. Le feu du changement, viens sur nous. Viens sur nous, provoque le changement dans nos vies, provoque le changement dans nos vies, dans notre pensée, dans notre manière de penser, dans notre manière de faire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, feu du changement, descends sur nous maintenant, afin que nous puissions changer, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous voulons encore intercéder. Bien-aimés, je ne sais pas, amen, amen. Amen, amen. Je ne sais pas sur quelle montagne tu demeures. Quelle est la montagne qui te fatigue? Quelle est la montagne? Ça peut être la maladie. La maladie peut être une montagne, bien-aimée. Les échecs peuvent être des montagnes. Alléluia. Les adversités peuvent être des montagnes. Les problèmes récurrents peuvent être des montagnes. Alléluia. La sorcellerie peut être une montagne. Tu vas dire ce soir, tu vas supplier. Nous allons faire une prière de supplication. Tu vas dire, Père, je suis fatigué de cette montagne. Je veux avancer au nom de Jésus. Tu vas supplier le Seigneur, tu connais ta situation. Tu vas dire, Seigneur, je suis fatigué sur cette montagne. Je veux avancer, je veux me déplacer, je veux changer. Je veux vivre un changement notoire, un changement palpable, un changement manifesté dans ma vie, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur et supplions notre Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Ô tendre Père, nous te prions ce soir. Nous te supplions, nous disons, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués d'être sur cette montagne, la montagne de la maladie, la montagne des échecs. Nous sommes fatigués d'être sur la montagne des limitations. Nous sommes fatigués d'être sur la montagne, Seigneur, des pleurs. Nous sommes fatigués d'être sur la montagne, Seigneur, de la maladie. Oh, je te prie, nous voulons avancer. Je veux avancer au nom de Jésus. Je veux avancer au nom de Jésus. Fais-moi avancer, Seigneur. Fais-moi avancer. Je suis fatigué de cette montagne. Je suis
fatiguée de cette montagne. Oh, je suis fatiguée. Fais-moi avancer. Fais-moi avancer. Fais-moi avancer. Je ne veux plus demeurer dans la maladie. Je ne veux plus demeurer dans les échecs. Je ne veux plus demeurer, Seigneur, dans les problèmes. Je ne veux plus demeurer dans le célibat. Je ne veux plus demeurer, Seigneur, mon Dieu, dans les adversités. Je ne veux plus demeurer. Je ne veux plus demeurer dans ces choses qui me retiennent captif, dans la captivité spirituelle. Je ne veux plus demeurer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens me secourir. Viens me secourir, je suis fatiguée de cette maladie, fatiguée de cette paralysie, fatiguée, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce problème qui me pèse. Viens rouler la pierre et délivre-moi, Seigneur, au nom de Jésus, délivre-moi, Seigneur. Je ne veux plus demeurer sur cette montagne. Je ne veux plus demeurer sur ces oppositions. Je ne veux plus demeurer sur cette maladie. Je ne veux plus demeurer dans cette situation. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, Yahweh. Et manifeste-toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas dire au Père de se lever. Tu vas dire au Père, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire que les pouvoirs d'opposition dans ta vie soient balayés comme la poussière au nom de Jésus. Bien-aimé, de la même manière que tu balais ta maison et que la poussière s'envole, que la poussière quitte, tu vas déclarer maintenant que les pouvoirs d'opposition sur ta vie soient balayés comme la poussière au nom de Jésus. Tu vas dire, Père, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Et que les pouvoirs d'opposition dans ma vie soient balayés comme la poussière au nom de Jésus. Bien-aimé, prends autorité et prie maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Père, je prie. Seigneur, je prie maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi sur ma santé. Lève-toi sur ma famille. Lève-toi, Seigneur, sur mes enfants. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans mon couple. Et que les pouvoirs d'opposition dans ma vie, les pouvoirs d'opposition dans ma maison soient balayés comme la poussière. Soient balayés comme de la poussière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout pouvoir d'opposition qui se dresse contre mon épanouissement, qui se dresse, Seigneur, contre ma fécondité, qui se dresse contre mon mariage, soit balayé maintenant comme la poussière, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Ô Père, lève-toi et que les pouvoirs d'opposition dans mon esprit soient balayés maintenant comme la poussière, comme de la poussière, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout pouvoir d'opposition pour mon mariage, que tout pouvoir d'opposition pour ma fécondité soit balayé maintenant. Que tout pouvoir d'opposition, alléluia, que tout pouvoir d'opposition dans ma santé soit balayé maintenant comme de la poussière, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, lève-toi sur la vie de mes enfants. Lève-toi dans la vie de mes enfants. Lève-toi dans la vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de mon couple. Lève-toi dans ma maison. Lève-toi dans mes projets. Et que tout pouvoir d'opposition dans ma vie soit balayé dans le nom de Jésus. Comme de la poussière, qu'il soit balayé comme de la poussière dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas dire maintenant alléluia, tu vas prier le Père. Tu vas dire que le vent du changement souffle sur ta vie, sur ta famille, alléluia, sur ta maison, sur tes enfants. Bien-aimé, il y a ce qu'on appelle l'esprit des quatre vents. L'esprit de quatre vents, c'est l'esprit qui avait ressuscité les ossements desséchés que Ézéchiel avait vu. Alléluia. L'esprit de quatre vents, c'est l'esprit qui souffle pour redonner la vie. Quand les choses sont mortes dans ta vie, c'est l'esprit de quatre vents qui vient redonner la vie. Il vient ressusciter ce qui était mort. Tu vas dire maintenant que le vent du changement souffle dans ta vie. Que le vent du changement souffle sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants. Là où tes enfants n'écoutent pas, là où tu as des enfants qui sont têtus, tu vas dire que le vent du changement souffle sur eux. Au nom de Jésus, là où ton époux est infidèle, tu veux dire que le vent du changement souffle sur lui, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur,
Appelle le vent du changement dans ta maison. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, lève-toi maintenant. Lève-toi, Père, je te prie, et que le vent du changement souffle sur ma vie. Le vent du changement qui transforme les vies, qui transforme les situations, qui transforme, alléluia, les destinées. Souffle sur moi au nom de Jésus. Que le vent du changement souffle sur moi, sur ma vie, sur mes enfants, sur ma famille, sur ma nation, dans le nom de Jésus, sur ma nation, dans le nom de Jésus. Vent du changement, souffle sur moi. Vent du changement, souffle sur moi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. Père, je te prie, que le vent du changement souffle sur moi. Que le vent du changement souffle sur moi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, souffle sur ma maison, sur mes enfants, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, tantôt j'avais dit que Dieu a sa part, mais l'homme aussi a sa part. Il y a une part que nous devons faire. C'est pour cela que tu vas dire ce soir, tu vas dire, Père, je reçois la grâce maintenant de faire ce qu'il y a lieu de faire. Alléluia, pour apporter le changement dans ma vie comme tu le désires. Tu dois faire ce que tu dois faire pour que le changement puisse rentrer dans ta vie. Bien-aimé, si tu as des mauvaises habitudes, tu dois commencer à les arrêter. Tu dois commencer à refuser les mauvaises habitudes. Tu vas dire, Père, je reçois la grâce maintenant de faire ce qu'il y a lieu de faire. Tu as besoin d'une grâce, alléluia, pour faire ce que tu dois faire, pour apporter le changement dans ta vie comme Dieu le désire. Tu vas dire, pour apporter le changement dans ma vie comme tu le désires, Seigneur. Je reçois cette grâce. Confesse que tu reçois cette grâce de faire ce que tu dois faire pour apporter le changement dans ta vie comme Dieu le désire. Prions le Seigneur, alléluia. Oui, tendre Père, nous confessons ce soir que nous recevons la grâce. Seigneur, je reçois la grâce maintenant de faire ce que je dois faire, de faire ce qu'il y a lieu de faire pour apporter, Seigneur, le changement dans ma vie comme tu le désires. Que je puisse apporter, Seigneur, le changement, enlever les mauvaises habitudes, Seigneur. Quitter le péché, rentrer dans la sanctification, vivre dans une vie de pureté, afin que, Seigneur, je puisse, Seigneur, recevoir de toi le changement, afin que je puisse recevoir ma bénédiction, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alléluia, amen, amen, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas ordonner maintenant, tu vas ordonner à toute chaîne de mauvaises habitudes qui te maintiennent captif de se briser maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, des fois Dieu veut bénir des personnes, mais ce sont les mauvaises habitudes qui nous gardent captifs, bien-aimé. Le diable te garde dans des mauvaises habitudes, le diable te garde dans la colère, le diable te garde dans le mensonge, le diable te garde dans le ressentiment, le diable te garde dans le manque de pardon pour empêcher ta bénédiction. Tu vas ordonner maintenant, tu vas dire, j'ordonne à toute chaîne de mauvaises habitudes qui me maintiennent captif de se briser maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux même dire ton habitude, tu te connais. Tu peux même dire ce qui doit être brisé dans ta vie. Tu le déclares que c'est brisé maintenant au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à toute chaîne de mauvaises habitudes qui me maintiennent captif de se briser maintenant, au nom de Jésus, que toute chaîne de mauvaises habitudes, de mauvais caractère, de vieil homme, de la chair qui me tiennent captif soit brisée maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cela soit brisé maintenant. Au nom de Jésus, que cela soit brisé maintenant. Alléluia. Toute chaîne de mauvais caractère, toute chaîne de péché, toute chaîne de mauvaises habitudes qui me maintiennent captif, qui me maintiennent prisonnier, je commande maintenant, je vous ordonne de vous briser maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur, alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, merci Seigneur Jésus, alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vais prier pour la fin et ensuite je vais recevoir les gens qui sont rentrés pour la première fois. Alléluia. Merci Seigneur, merci d'écouter ma prière.
Tendre Père, je bénis ton nom et je glorifie ton nom encore, Seigneur, ce soir. Merci de nous avoir parlé ce soir, car tu veux que, Seigneur, nous puissions passer à un autre niveau. Tu veux, Seigneur, que nous puissions quitter, Seigneur, la montagne, Seigneur, qui nous tient captifs. Tu veux que nous puissions quitter notre confort pour passer à un prochain niveau. Père, merci. Merci, car je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, que les échecs passés ne vont pas arrêter notre avenir radieux de demain. Je crois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que nous allons expérimenter une vitesse et une précision, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'accélération au nom de Jésus. Merci, car je crois, Seigneur, que ce qui était malédiction pour nous hier devient bénédiction au nom puissant de Jésus. Merci, car ta parole ne sort pas pour rien. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Merci, car je crois que cette parole nous guérit maintenant. Je crois que cette parole nous a guéris et que, Seigneur, il y a une révolution qui rentre maintenant en nous. Il y a une révolution, Seigneur, qui se fait dans nos vies. Père, nous refusons de demeurer sur cette montagne. Nous refusons de demeurer sur les échecs. Nous refusons de demeurer dans la maladie. Nous refusons de demeurer, Seigneur, dans toute mauvaise chose qui nous tienne captifs. Père, nous croyons que tu nous emmènes à un autre niveau, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui était connectée ce soir. Père, je te prie de bénir. Je te prie de bénir, je te prie de bénir. Père béni, tu connais toutes choses. La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Seigneur, ce que nous ne t'avons pas demandé, ce que nous n'avons pas exprimé avec nos bouches, nous croyons que le Saint-Esprit l'a fait pour nous. Merci Père, car tu as exaucé chaque personne. Là où nous ne t'avons pas demandé quelque chose, je crois Seigneur que tu as pourvu. Père, car avant même que nous ouvrons la bouche, tu sais de quoi nous voulons parler. Avant même qu'une chose arrive, tu sais par avance qu'elle va arriver. Père, merci, car nous savons que tu nous as fait du bien. Je te remets ton peuple entre tes mains. Garde-nous encore, Seigneur, fidèles à toi. Alors que nous serons en train de dormir, que notre esprit reste fidèle à toi. Saint-Esprit, que tu nous parles et que tu nous ramènes dans tes chemins. Seigneur, fais de nous des chrétiens matures. Fais de nous des véritables enfants de Dieu. Fais de nous, Seigneur, des véritables citoyens du royaume de Dieu. Père, je te prie, change-nous, transforme-nous, Seigneur. Que nos vies, Seigneur, puissent refléter ta vie. Sans même que nous parlons, que les gens puissent voir qu'il y a quelque chose de différent. Sans même que nous disons quoi que ce soit, que les gens puissent te voir à travers nos vies, je te prie. Fais-le, Seigneur. Fais du bien à une personne qui était connectée ce soir. Délivre, Seigneur, ceux qui sont oppressés. Délivre, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oppressés par des esprits mauvais, ceux qui ne dorment pas. Délivre, Seigneur. Ceux qui n'ont plus de rêves, ouvre les rêves dans le nom de Jésus. Père éternel, je te prie, garde ton peuple. Je prends autorité maintenant contre tout esprit, Seigneur, mon Dieu, qui pourrait ramener de la nourriture dans la nuit. Je brise cela au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant contre tout esprit de mari de nuit ou de femme de nuit. Que tes enfants puissent dormir dans la paix, dans le nom de Jésus. Que tes enfants puissent dormir dans la paix et que ton sang, Seigneur, puisse nous couvrir. Et que tes anges, Père, puissent garder chaque personne. Père, garde-nous encore fidèles à toi. Afin que demain matin, nous puissions encore être là pour élever ton nom, pour t'honorer. Père, nous ne le dirons jamais assez. Mieux vaut passer une heure dans ta présence que d'en passer mille ailleurs. Mieux vaut pour nous être dans ta présence, Seigneur, que d'être ailleurs. Béni soit ton nom, car nous sommes des privilégiés. Nous sommes des milliers de personnes sur la terre. Mais toi, Seigneur, tu as trouvé bon de nous garder dans ta présence maintenant. Nous te bénissons, Seigneur. C'est un privilège pour nous d'être dans ta présence. C'est un privilège pour nous de te prier. C'est un privilège pour nous de célébrer ton nom, Seigneur. Car c'est une grâce, Père. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Seigneur, nous te bénissons car nous sommes tes brebis. Nous te bénissons car nous entendons ta voix. Nous te bénissons car nous te suivons. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Car nous savons que tu vas nous emmener maintenant à un autre niveau. Nous n'allons pas demeurer toujours là où nous sommes, mais tu nous emmènes vraiment à un autre niveau. Tu nous fais déplacer, Seigneur. Tu nous enlèves, Seigneur, de la montagne des échecs pour nous emmener quelque part, Seigneur, à la réussite. Que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom, Seigneur. Je te glorifie, je te loue, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Nous disons trois fois Amen. 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 Amen.